Recoucou! Donc, je viens vous présenter le petit album qu'on a réalisé ensemble, fini. Donc, le premier, le modèle, si je puis dire, c'était celui-là. Voilà. Et donc, le second, j'ai fait celui-là. Donc, j'ai simplement changé le papier couverture qui ne me plaisait pas. J'ai mis quelques petites décorations et des petits cœurs qui brillent. Voilà. Hop. Donc l'intérieur, c'est comme je vous ai fait voir. J'ai simplement changé, séparé le papier pour la tranche. Ça ne me plaisait pas. Donc j'ai mis un petit papier plus costaud, plus assorti au papier du reste de la déco. Voilà. Donc là, c'est la même chose que pour les l'autre petit album. Donc un petit accordéon. Un petit accordéon, un petit éventail, une petite cascade, on ne sait plus comment dire les choses. Voilà, en tout cas, je me suis beaucoup amusée à... Je me suis régalée à préparer ces petits albums. Donc, les petits albums sont en vente, hein, comme toujours. Donc, ceux-là, je les vends 5 euros. Comme ça, vous pouvez vous faire plaisir. Ou faire plaisir à quelqu'un pour offrir, pour un cadeau. Ou même pour soi, on a même le droit de se faire un petit cadeau de temps en temps. Voilà. Donc vous m'envoyez un petit message. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Et puis je vous enverrai un joli colis avec plein de petites choses et plein de petites surprises. Voilà, je suis hors champ peut-être, non? Non, c'est pareil. Ah, et cette caméra qui joue des tours. Voilà. Petit nœud. Pareil pour le bas. Voilà. On est toujours dans le rose, hein. Et voilà. J'espère que ce petit album vous aura plu. Je me répète encore peut-être, mais je vais encore me répéter aussi. Je vous remercie et des milliers et des milliers de fois pour vos si gentils messages. Vraiment, pour moi, c'était un grand, grand plaisir de vous lire. Alors, on se retrouve tard dans la nuit ou demain matin pour un tuto 100% enveloppe. Quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu plus conséquent. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Au plaisir de vous revoir. Merci. Au revoir.